Good morning, 47. Your destination is the coastal town of Sapienza, also known as the Jewel of the Amalfi Coast. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled bioengineer employed by the Aether Biotech Corporation. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing project, a DNA-specific virus able to infect anyone, anywhere in the world. Imagine a bullet, fired in any direction, passing through countless bodies without inflicting harm, invisible and undetectable until it strikes its target. A world of armchair assassins killing with impunity. This is what awaits us, unless Caruso is stopped. Our client, one of Aether's major private stockholders, wants the project cancelled on ethical grounds, but without destroying the company in the process. She has asked us to eliminate Silvio Caruso and destroy the yet unfinished virus prototype. You will also need to deal with Caruso's lab head, Francesca DeSantis, a high-level Aether employee and cutthroat corporate climber who holds intimate knowledge of Caruso's research and could potentially carry on in his place. This is no ordinary contract, 47. Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade, not to mention our core ideals. So failure is not an option. I'll leave you to prepare. Welcome to Sapienza 47. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia, so the Aether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Good luck, 47. Yo l'équipe. Et on est de retour sur Hitman. Ça fait un très long moment que je suis pas retourné sur ce jeu, mais on est là pour éliminer Silvio Caruso et Francesca DeSantis. Alors, on va du coup s'infiltrer dans le manoir déjà. Et pour ça, on a une super planque. Voilà. À partir de là, on peut descendre par ici. Et voilà. On est dans le manoir. On va essayer de trouver un bon déguisement. Mais c'est passé. Ok, là on a un bonhomme là, deux de ce côté, ce côté. En fait, ceux-là, je pense, les deux qui sont armés, ça doit être, ils doivent surveiller une porte ou un truc comme ça. Et là, on en a un armé. Je suis bien intéressé par son déguisement. C'est toi qui y vas ? Ok. Voilà, sommet. C'est un bon déguisement aussi. Allez. Pas forcément le meilleur des déguisements pour s'infiltrer dans le manoir. Peut-être pour un petit peu plus tard, ce sera pas mal. Je récupérerai ça. Je crois que j'ai oublié sa carte.
Apparemment, j'avais bien récupéré sa carte. Et nous voici en garde de manoir. Tada! Hop! Ok. On va juste reprendre le flingue silencieux en main. Voilà. Alors là, il y a les Jean-Michel Sapin. On va peut-être monter par là. C'est peut-être... Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Alors. Ça va, je suis pas... Pas de problème technique pour le moment. Personne peut me reconnaître. Si lui peut me reconnaître. Il faut que je passe à gauche. Ça a l'air d'aller. Ah, donc il n'y en a qu'un qui peut me reconnaître à cet étage, c'est lui. C'est quoi ça? Oh. Ok, ok. Attends, il y a un truc à sonnette de service. Fiche médicale. À en croire ses déclarations, Caruso a entendu le disque préféré de sa mère dans la salle à manger vide, puis a vu son monte-escalier se mettre en marche lui-même. Ayant entendu la cloche de service d'Isabella sonner dans son ancienne chambre, il y est entré seul. Et le personnel l'a découvert évanoui. Ok. On peut se cacher ici et l'attendre. On va essayer de faire ça. Silvio qui est pas très loin. Il y a la nana qui... Cette nana, ça va, ça passe. Il y va. Il est en train de venir. Alors ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va remonter par l'escalier et activer son monte-charge au bon moment. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il faut peut-être l'activer maintenant? Yes, il arrive. Bon, j'aurais peut-être pas dû passer par là, mais c'est pas grave. Hop. Il arrive, ok. On va le tuer avec la corde de piano, je pense. Pas le flingue, non. Voilà. Il rentre. C'est parti. Pas été cramé du tout. Ok. Prochaine étape, Descentis, ouais. Alors attends, ouais. J'ai oublié un truc, c'est ça. C'est quoi? Un coffre. Un coffre au grenier. On va checker le grenier alors. Ouais. Chacun a ses secrets. Et visiblement, certains les ont très bien cachés. Prototype du virus. Alors, l'un des prototypes du virus Caruso, apparemment codé avec l'ADN de Francesca De Santis. L'échantillon ne peut sans doute pas survivre bien longtemps à l'extérieur, mais le ciblage par ADN fonctionne. D'accord. Ben, écoute... J'ai pas mon... Ah, j'ai pas de crochet. Par contre, il y a lui. On va juste l'endormir. Voilà. Essayer de le claquer là comme ça.
Parfait. Two targets down. Now destroy the virus. Parfait. Ok, donc ouais, on va détruire le virus maintenant. Et voilà, retour au point de départ. Là, on peut récupérer le technicien de lab. Par contre, passer par les deux gardes là, ouais, ça craint un peu. Hop. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre ça là. Est-ce qu'on... Ah, parfait. On va refaire le même coup que tout à l'heure. C'est ce qui marche le mieux. Hein. Alors déjà, il y a ça. D'accord, donc d'accord. Eh bien, c'est un échec. Là. Attends, tu cherchais à l'activer ou qu'est-ce qui se passe? On va lui déplacer. Est-ce que ça passe? Et on a la keycard. J'avais déjà dû me dire. Ah, il est chiant lui là. Il arrête de m'embêter. Problème solve. It is. Okay. On a clear tout. Absolument tout. Plus de garde, plus de problème. Problème solve, plus de fouilles. Ether's field lab, you made it. The virus prototype will be close by. Look for some type of quarantine unit. On va essayer de faire vite. Hop. Hey bot. Nothing to see here. Just nothing to see. On peut passer par là. Allez, let's go. Alors lui m'a vu, mais c'est passé.
s'est passé. C'est bon, on est infiltré. Il y en a deux à l'intérieur. Là, le petit truc là au milieu, c'est le virus. Nous, on va devoir se débrouiller pour que les deux là, ils voient rien. Warning, dangerous compound. Casser les machines autour. Warning, dangerous compound. Du coup, les gars, ils vont être là, genre. Il y en a un qui arrive. C'est bon. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté la température du réceptacle. Du coup, le réceptacle, il va fondre, il va se casser, et le virus, il peut pas résister dans les environnements oxygénés. Donc c'est réglé. Alors, à partir de là, on va essayer de se déplacer dans la grotte et d'aller vers une sortie. Et lui il peut me cramer, donc je vais pas pouvoir passer par là. Voilà, objectif rempli. All objectives complete. Now head towards an exit.